Salut à toi. Dans l'une de nos dernières vidéos, on a parlé en détail de la première cause de décès d'une femme enceinte au premier trimestre de grossesse. Et ça, c'est la grossesse extra-utérine. On a expliqué ce que c'est. On a parlé des signalettes. Et dans cette vidéo-ci, je veux développer sur le traitement. D'accord, le traitement et le devenir. Qu'est-ce qui se passe après? Après qu'on ait eu une grossesse extra-utérine, est-ce qu'on, quand on a enlevé la trompe ou pas, est-ce qu'on peut encore tomber enceinte? Est-ce qu'on peut avoir une grossesse normale? Pour en savoir plus, reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr. Letty, votre Gigi. J'utilise cet espace pour informer les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies et te permet de rester ainsi le plus longtemps possible en bonne santé, est la meilleure forme de médecine et elle passe par l'information et la sensibilisation. Tu le sais mieux que moi, sans la santé, rien n'est possible. Alors, si ta santé et celle de tes proches t'intéressent, eh bien, abonne-toi et partage. Quand ton gynécologue, qui est le médecin spécialiste pour toi, madame, t'a diagnostiqué une grossesse extra-utérine, ça doit être traité. Ça ne disparaît pas seul. Sinon, ça peut aller jusqu'à la mort. Et on l'a vu pourquoi lors de la dernière vidéo. Pourquoi le pronostic est vital. Pour traiter une grossesse extra-utérine, on a deux approches. La chirurgie ou les médicaments. D'accord? Et on ne peut pas dire là directement comme ça, du coup, qu'il y a une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel on se trouve. Et ton médecin te dira la meilleure option pour toi. Commençons par la chirurgie. Si ton gynécologue te dit que la meilleure option pour toi, pour traiter la grossesse extra-utérine, c'est de t'opérer, n'aie pas peur. Je sais que quand on parle de chirurgie, dans certains contextes, on voit directement la mort, l'opération, la salle d'opération, on a peur. Mais quand une grossesse extra-utérine a déjà rupturé, c'est la meilleure option de traitement pour sauver ta vie, c'est l'opération. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer simplement comment elle se passe. La chirurgie, on utilise une méthode chirurgicale qu'on appelle la stéréoscopie. C'est vraiment une méthode très élégante. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement, avec un système optique, qu'on va mettre dans le nombril, l'image sera transmise sur un écran de télévision qui va permettre de voir l'intérieur du ventre. D'accord, on va pomper du gaz et puis on va te faire trois petites incisions, c'est vraiment petit, 1 cm, au bas du ventre. Et là, on a des canaux, on envoie des canaux pour travailler et on se met à opérer. Je sais, cette méthode chirurgicale, c'est possible que ce n'est pas disponible partout. Et à côté du gynécologue qui est le chirurgien dans ce contexte, il y a aussi l'anesthésiste. Une opération, c'est toute une équipe. Et tout ça doit bien fonctionner, la salle de réveil, les infirmières, tout ça, pour qu'une opération réussisse et pour limiter les complications. Mais là, ton médecin va t'expliquer. Et comme je disais, cette opération est vraiment très élégante parce que comparé à une opération à ciel ouvert où on fait vraiment des grosses cicatrices, avec une opération qu'on appelle stéréoscopie, on a moins de complications, on a un temps d'hospitalisation moins élevé, c'est-à-dire tu n'es vraiment pas très longtemps à l'hôpital et après tu as moins de douleurs et tu es vite rétabli. Maintenant, il y a des environnements où ce n'est peut-être pas disponible. Mais si c'est le cas, si c'est disponible, c'est une façon d'opérer très élégante et moins compliquée. À côté de ça, j'ai parlé de l'option médicament. Et comme je dis, l'option médicament, ce n'est pas toujours la meilleure. Dans ce contexte, il s'agit des injections. Une injection, on l'appelle cela la méthotrexate. Mais ça sera dans un contexte bien précis et sous surveillance. Déjà, la méthotrexate ne sera pas une option pour toi si ta grossesse extra-utérine a déjà rupturé. Si tu es en choc, d'accord, c'est pas parce que c'est médicament et comparé à l'opération que c'est mieux ou bien que c'est moins compliqué. Non, c'est vraiment dépendamment de l'état dans lequel tu te trouves, toi la patiente. D'accord. Ces injections-là, comme je dis, la méthotrexate, c'est un antinéoplastique, c'est un groupe de médicaments qu'on utilise aussi pour le traitement de chimio, par exemple. Ça s'utilise aussi pour le traitement de rhumatisme. En médecine, on a des médicaments qu'on peut utiliser dans différents contextes. Mais étant donné que c'est un antinéoplastique,
C'est-à-dire ce caractère-là du médicament fait en sorte que il doit être vraiment donné sous très bonne surveillance. Comme je dis, c'est un médicament utilisé pour le traitement des cancers. Et par la suite, si tu as eu un traitement à méthotrexate, il sera très, très important que tu attendes 6 à 12 mois pour retomber enceinte à cause du caractère de ce médicament-là pour éviter, par exemple, des malformations chez le futur bébé. Ce sont des probabilités médicales, mais c'est une recommandation à prendre au sérieux. D'accord? N'oublie pas, c'est un anti-néoplastique. Je vais continuer avec le devenir. Qu'est-ce qui se passe quand on m'a opéré? Les femmes docteurs m'ont opéré, on m'a levé la trompe, je n'ai qu'une trompe. Est-ce qu'il peut encore tomber enceinte? Pour t'expliquer cela, je vais te raconter une expérience. Bon, j'avais une patiente. Elle avait une grossesse extra-utérine, je me rappelle encore très bien. Elle avait déjà fait une grossesse extra-utérine. Elle avait vraiment des difficultés pour tomber enceinte. C'était la deuxième grossesse extra-utérine à la suite d'une procréation médicalement assistée parce que le couple avait des problèmes pour tomber enceinte. Alors, lors de la première grossesse extra-utérine, on a pu conserver la trompe. Et quand je lui expliquais comment l'opération va se passer, elle m'a dit c'était super important pour elle que sa trompe soit conservée. Et bien, je lui ai dit, madame, on fera de notre possible. Bon, on arrive au bloc opératoire, elle dormait, l'anesthésie, tout s'est bien passé. Je commence avec l'opération avec mon médecin chef qui m'assistait. Je en place le système optique, j'entre et tout. Je me rends compte que la trompe est franchement abîmée. C'était la trompe gauche. La trompe droite était OK. Je nettoie, j'incise, je coagule et tout. Mon message, il me regarde parce qu'il savait que la patience était importante pour elle, qu'on conserve la trompe. Je me battais là à vouloir vraiment conserver la trompe. Il me regarde. C'est la meilleure façon d'apprendre. Je me regarde m'essouffler. Après, à un moment, il m'a dit, c'est quoi le plus important ici? Je lui ai dit, bon, c'est de sauver la patiente, que la patiente soit du bloc en vie, que la grossesse, que ça soit sûr, qu'on a tout enlevé, et que son pronostic fertilité soit le moins compromis possible. Il m'a dit, eh bien, quand tu cherches à conserver une trompe abîmée, or, la patiente a une autre trompe qui est en bon état. Est-ce que ça va aider pour ce prognostic vital? C'est clair, la réponse est non. C'est pour dire, mesdames, on ne conserve pas une trompe abîmée. Pourquoi? Parce que si vous avez une trompe qui a été opérée plusieurs fois, qui est abîmée, qui a des cicatrices, la probabilité que vous refassiez une grossesse extra-utérine est entre 10 et 30%. Donc, j'ai directement compris, j'ai coupé la trompe, on a fini l'opération et après j'ai expliqué à la patiente qui a bien compris et qui a très bien pris. C'est pour vous dire, il peut y avoir des situations où la trompe doit être enlevée. Et avec la trompe qui reste, vous pouvez tomber enceinte et avoir même des jumeaux, avoir une grossesse sans problème. Avec une trompe, on peut avoir une grossesse sans problème que de garder une trompe abîmée qui va augmenter un risque d'une probable grossesse extra-utérine. D'accord. Et si ce n'est pas le cas, si les trompes sont abîmées, si les deux trompes sont bouchées, eh bien, on se retourne vers une FIV, une fécondation in vitro ou d'autres moyens d'assistance à la procréation, d'assistance médicale à la procréation. OK. Donc, c'est dans ce message-ci que je voulais te transmettre la prise en charge, les options. Et un point très important, c'est le groupe Rhesus. Il faut toujours, surtout pour les femmes qui sont de groupe Rhesus négatif, là, bon, c'est ton médecin qui va s'en charger. De groupe, si on sait qu'on a un groupe Rhesus négatif, alors il sera important que vous obteniez la vaccination anti-D dans les 72 heures, qui sera très importante pour la prochaine grossesse. On ne va pas entrer en détail, c'est un autre thème, je pourrai détailler dans une prochaine vidéo. Donc, on a fini avec le thème de la grossesse extra-utérine. Je pense que tu es assez informé maintenant. S'il te plaît, passe l'information car ça sauve des vies. Merci. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.